ce jour de Pentecôte, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ son Fils, notre frère, et de l'Esprit Saint, notre joie et notre espérance. Il est allumé. Alors nous avons un problème technique. Je pensais qu'en venant ici, il n'y aurait plus de problème technique. Mais non! Ça, c'est un coup de l'Esprit Saint. Hein. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alors, je vais vous redire la grâce une deuxième fois, parce qu'on n'en a jamais assez, vous êtes d'accord? Et puis, c'est pour toutes les fois où on n'a pas pu vous le dire en direct pendant ces 2 mois. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur, et en l'Esprit Saint, notre libérateur. Je laisse la parole à ma consœur Agnès. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce culte. Et nous sommes heureuses de vous retrouver ici à l'oratoire du Louvre. Nous saluons celles et ceux qui nous regardent de leur domicile en France ou à l'étranger. Nous reprenons prudemment les cultes et aujourd'hui les conditions d'accueil sont encore particulières. Préinscription, distance, masque, gel et feuilles de chant. Et oui, pas de cantique, mais feuilles de chant. Nous ne chanterons que ce qui est indiqué sur ces feuilles. Il nous faudrait. Néanmoins, le temps du confinement touche vraiment à sa fin et nous allons reprendre progressivement nos activités, en tout cas les cultes pendant le mois de juin. Il nous faut encore de la patience, beaucoup de changements, mais toujours le même esprit et, comme vous pouvez le voir, le constater, le vivre, chacun à sa place et il y a une place pour chacun. Louons Dieu. Mais avant, juste avant de louer Dieu, une surprise. Je vous propose de me laisser faire une photo de cette chose extraordinaire qui restera dans le musée de l'oratoire, puisque vous savez qu'à la maison presbytérale, nous avons quelques photos de moments marquants de l'histoire de l'oratoire, et je pense que ça en fait partie. Voilà. Et vous ne craignez rien? Alors, souriez. Voilà, merci beaucoup. Je rajouterai juste une chose. C'est vrai que nous vous voyons avec les masques, mais d'ici 2 ou 3 minutes, ce qui est génial, c'est qu'on oublie complètement les masques. Ne compte que le regard qui circule les uns envers les autres. Et ça, c'est irremplaçable. Louons Dieu. Éternel, c'est de toi que vient toute vie. Tu es présent dans chaque créature. Tu es caché et présent comme la vie au fond de chaque être. Éternel, si tu te retires, nous périssons. Si tu retires ton esprit, nous ne sommes plus que des cymbales retentissantes et des coques vides. Si tu te retires, notre vie n'est plus qu'une somme de devoirs, et ça, ce n'est plus vivre. Mais si tu renouvelles ton amour, nous pouvons aimer à nouveau. Si tu envoies ton esprit, nous pouvons te reconnaître en tous nos frères et en toutes nos sœurs. Et si par le Christ tu es vivant en nous, nous sommes vivants en toi. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, et je me réjouirai dans le Seigneur. Nous vous invitons à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du cantique 163. De ce cantique 163, nous chanterons les 3 strophes et nous vous invitons à vous lever.
place. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions. Il met devant chacun de nous le bien et le mal. Il nous demande de choisir l'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la paix, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Si nous avons envie de vivre ainsi, nous avons, nous aussi, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Nous nous rappelons ce que Jésus a enseigné. Et ce qu'il a enseigné se résume de cette manière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions. Nous sommes à bout de souffle, Seigneur. Mais tu viens vers nous tout entier, de toute ta force, de toute ta ferveur, de tout ton souffle brûlant. Aide-nous à déchiffrer ta trace incandescente sur le visage de l'étranger ou de l'étrangère. Dis-nous comment accueillir autrui dans sa vérité, dans sa langue et son langage, dans ses ténèbres ou sa foi, l'accueillir au cœur de ta silencieuse présence. Apprends-nous comment laisser brûler ce feu du dedans qui nous vient d'en haut, à chaque Pentecôte de nos vies. Comment laisser éclore cette tendresse des entrailles qui pousse aux gestes les plus fous et aux intercessions les plus audacieuses. Dans l'étroitesse de nos demeures, entre nos barricades les plus sacrées, fais éclater ta Pentecôte et qu'elle nous donne un second souffle. Viens toi-même intercéder en nous pour les êtres qui souffrent, mais aussi pour les êtres qui blessent et qui détruisent, pour les êtres dont l'humanité est en danger. Ô Dieu, donne souffle à notre prière. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. L'Éternel vit en nous, que son esprit nous anime, sa force transforme notre faiblesse. Sa miséricorde nous relève de notre misère. Sa vérité confond nos mensonges. Sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi
Le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Et il nous redit ce matin, ma grâce te suffit. Choisi de partager avec vous une des confessions de foi qui nous vient de la Fraternité des Remonstrants aux Pays-Bas, qui se veut être une église dans laquelle on admet une diversité d'opinions. Pour cette fraternité, les confessions de foi sont des poteaux indicateurs, utiles pour le cheminement et la réflexion. À travers les siècles, cette fraternité autonome dans son fonctionnement, a été le foyer d'un protestantisme libéral toujours en activité, qui n'hésite pas à reconsidérer les doctrines traditionnelles. Pour ce courant, la confession de foi permet, avec prudence et amour, d'indiquer une route. Voici celle en date de 2006. Voilà ce que nous pensons et croyons. Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est donné. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de ce qui vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes ou de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons en l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon, pour qu'ils louent et servent Dieu en chantant et en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme empli de l'Esprit. Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié, mais il vit au-delà de sa propre mort et de notre mort. Il est pour nous un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu, l'Éternel. Il est amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous appelle à un avenir de paix. Bien que faible et vulnérable, nous nous croyons appelés solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient à former une Église qui soit signe d'espérance. Car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité. Tout en tous. À Dieu soit la louange et l'honneur dans le temps et l'éternité.
Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles soient pour nous paroles de vie. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la vie et le temps qui s'écoule. Maintiens en nous notre capacité d'émerveillement. Accorde-nous de rester dans l'intensité de ton amour. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions être prêts à vivre dans une totale ouverture à ce que tu veux nous donner. Amen. Aujourd'hui, et ce n'est pas très surprenant, nous prendrons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Partes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. »
ne pouvons pas encore entendre toutes les langues du monde résonner dans les rues de notre capitale, comme c'est le cas d'habitude, comme les apôtres le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais nous sommes ensemble, ensemble pour entendre une même parole, chacun avec son esprit et sa foi. Déconfinés de nos bulles sanitaires, nous sommes venus nous confiner ensemble, dans ce même lieu, et pour ceux qui ne sont pas au temple, dans un même temps et dans une même parole. Et pourtant, au sein même de la communauté que nous formons ici, chacun sans doute recevra l'esprit des mots proclamés selon une modalité différente de celle de son voisin. Et peut-être que celui qui est ici sera plus en communion de pensée avec celui qui nous écoute au loin, en Australie ou au Québec, qu'avec celui qui se trouve assis à quelques chaises de lui. Problème de langue ou problème d'esprit? Le récit des Actes des Apôtres nous parle de cette chose fascinante qu'est la diversité des langues, mais aussi de l'unicité spirituelle qui en résulte pourtant. La période de confinement nous a replacés dans cette question éternelle : peut-on prétendre comprendre l'autre ? Dans ce récit biblique, la rencontre de deux mouvements a lieu, deux mouvements contraires qui soulèvent la question de la compréhension et de la communion entre les hommes. Le premier mouvement est celui de l'unicité de l'esprit vers la diversité des apôtres et de leurs paroles. Le second mouvement est celui de la diversité de tous ces juifs pieux et de ces prosélytes, de ces crétois et de ces arabes même, qui se trouvent à Jérusalem et qui accourent vers le bruit que produit l'esprit. La structure même du récit pointe la difficulté théologique de l'affirmation d'un seul Dieu, d'un seul esprit, reçu par une multitude. Comment faire église alors que chacun est différent? Comment former une communauté à partir de compréhensions toutes différentes? Dans la maison où se trouvent les apôtres, un vent violent souffle et semble provoquer l'apparition de langues de feu. Elles se distribuent sur chacun des apôtres. Comme un mythe de Babel à l'envers, une langue est donnée à chacun dans le même esprit. La cacophonie semble écartée et chaque apôtre reçoit son lot de feu, symbole qu'on retrouve dans le livre d'Enoch, comme compréhension des choses du divin. Est-ce le même message de Dieu pour chacun? Est-ce que chacun l'énoncera selon sa propre compréhension? Ou bien cette même langue distribuée à chacun est-elle le gage d'une même théologie? D'une même langue de Dieu pour chaque apôtre? En d'autres termes, est-ce un dogme que l'on est en train d'instituer avec ce même esprit? Ou est-ce impossible qui est confié à chaque apôtre pour qu'il en fasse l'interprétation qu'il veut en faire et en témoigne avec ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il en comprend? Le mythe d'une langue originale qui aurait été perdue ou ruinée par les agissements des hommes et qu'il faudrait retrouver apparaît ici. Avant Babel, tout le monde parle la même langue. Noé, Caïn, Abel, Ève, Adam et même le serpent parlent la même langue. Dieu parle alors la langue unique et s'adresse à ses créatures sans entrave. La parole est alors créatrice. Dieu nomme et cela existe. L'homme nomme les animaux et ils existent. La parole de Dieu donne identité aux vivants. Mais déjà, les offrandes offertes à Dieu par Abel et Caïn provoqueront le meurtre en insinuant la distinction et la compétition entre les deux frères devant le même Dieu.
Déjà, le nom d'Abel semble plus aimé que celui de Caïn aux yeux de Dieu, à cause des offrandes. C'est ce que croit Caïn, en tout cas. Déjà, la parole est supplantée par les preuves matérielles de l'amour et l'identité donnée est suspectée d'avoir une valeur différente aux yeux de Dieu. Mais quand les hommes se mettent en tête de se faire un nom par eux-mêmes, sans Dieu, en utilisant la langue commune qu'ils ont avec lui pour construire une tour en briques, la parole alors court à sa perte. L'unicité de la langue qui semble aux hommes être une force pour se construire par eux-mêmes une identité commune se révèle être ce qui ruinera toute communication entre eux. C'est une dictature du même qu'ils sont en train d'ériger avec la tour de Babel. La dispersion des hommes dans la diversité et la multiplicité des langues apparaît alors comme remède à la chape de plomb, au silence imposé par l'unicité de sens qu'était cette tour pour eux. Si les hommes bâtissent leur nom en œuvre monumentale et patrimoniale, où est la place de la parole échangée, la parole qui circule, le dialogue, la discussion, la raison, le logos? Toute cette dynamique, où est alors cette dynamique de la parole? Tout est alors figé, en dur. Alors, est-ce cet esprit monolithique que reçoivent les apôtres au jour de la Pentecôte ou renoue-t-il avec la diversité nécessaire de la parole? Dehors, les juifs pieux de tous horizons viennent à leur rencontre. Ils sont attirés par le bruit du vent violent qui semble tout bousculer de leur compréhension habituelle. Ils sont originaires de toutes les nations qui sont d'habitude montrées comme étrangères. Ils viennent de la langue de l'autre, des contrées qu'on dirait barbares, païennes. Ils viennent de là où l'on adore d'autres dieux, où l'on prie dans la cacophonie des dieux multiples. D'autres, plus loin du judaïsme, viennent avec eux. Ce qui les relie les uns aux autres ne peut pas être les us et coutumes de chacune de leurs contrées de diaspora. Ce qui les relie les uns aux autres, c'est une parole donnée à un prophète qui guide ces hommes et ces femmes qui viennent écouter et les relie dans une identité propre au milieu de l'étrangeté et de l'étranger. Ils sont juifs, dit le texte. On dit même qu'ils sont juifs pieux. Ils sont l'incarnation de cette parole qui les fait vivre. La diversité des cultures se résorbe alors pour eux dans l'unité d'une foi en une parole, la parole qui a été donnée à Moïse, cette loi qui leur a été donnée pour se repérer. Tous comprennent ce que les Galiléens décoiffés par le vent annoncent, car tous sont constitués d'une même parole. Ils sont à Jérusalem pour la fête des moissons qui est devenue ensuite la fête du don de la loi. C'est leur parole commune qu'ils sont venus fêter. Entre une unicité de sens qui doit éclater pour sauver la parole et une multiplicité de langues qui cherchent une unicité de sens pour faire communion, la Pentecôte nous place au point de rencontre de ces deux mouvements de l'imagination, de la foi. L'esprit qui souffle alors comme un grand vent n'est pas la parole de Dieu toute faite et prête à être dupliquée à des millions d'exemplaires. Ce n'est pas une parole prête à dire. L'esprit qui souffle ici est un esprit traducteur, qui fait éclater les sens en une multitude de possibilités de compréhensions humaines. Au moment où les apôtres fêtent la Pentecôte, dernier épisode de la résurrection, fête des moissons, Shavuot, fête marquée du chiffre 7 comme les 7 jours de création renouvelée, ils reçoivent et distribuent la profusion des dons de la foi. Dans une extraordinaire diversité de langues, de significations, d'appropriations, la loi de Moïse devient corne d'abondance, diversité assumée et toujours plus nombreuse. Les contrées énoncées sont au nombre de 12,
nouvelle tribu d'Israël, païenne et pourtant embrassée dans cette générosité divine. L'Évangile ne se répète pas, il se traduit de multiples façons, de façons nouvelles et inédites, de façon libre. Mais alors, si tout est possible ainsi, d'où viendra la fidélité? Si les sens de la parole sont multiples, que devient l'orthodoxie du texte? Que deviennent les dogmes? Comment savoir qui dit vrai? Où est le pur évangile? Les apôtres sont envoyés pour annoncer une bonne nouvelle du salut qui a pris corps. C'est une parole incarnée qu'ils annoncent. Et c'est là son originalité et sa grandeur. L'incarnation de la parole en un homme singulier, particulier, ordinaire somme toute, est le gage de la fidélité à cette parole, le critère de fidélité. Le croyant, en traducteur d'évangile, ne cherche plus le seul vrai sens de la parole de Dieu comme s'il y avait une parole de Dieu originale, la seule lettre de la loi comme s'il n'y en avait qu'une, mais il cherche à incarner en lui-même une parole qui fait vivre, avec ce qu'il est, avec ce qu'il n'est pas, ce qu'il imagine et ce qui le confronte au réel dans sa vie. Les deux mouvements de l'unicité vers la multiplicité et de la multiplicité vers l'unicité trouvent leur point d'équilibre là où la traduction de la parole lui fait prendre corps. Le problème n'est plus de trouver un Dieu en soi, un évangile en soi, une substance de l'Esprit Saint, mais de traduire du divin dans nos vies humaines grâce à une hospitalité langagière qui permet d'accueillir une parole étrange et étrangère à nous sans la réduire à une compréhension unique. Comme Jésus accueille les multiples prophéties messianiques et devient le Christ en incarnant ces prophéties dans ses gestes et dans ses paroles humaines, l'apôtre du Christ reçoit lui aussi la langue de feu qui l'autorise à faire sienne ce qu'il a appris du Christ, la vie de Jésus-Christ, ce qu'il a partagé avec lui, redonnant à la multitude les témoignages de ce qu'ils ont engrangé à l'écoute du Maître. Les apôtres vont devenir prémices d'une moisson nouvelle, une moisson universelle cette fois, où l'identité d'un peuple est acquise non pas par une langue unique, par une foi unique ou par une terre unique, mais par la capacité à traduire la filiation divine d'un homme, Jésus, et en une multitude de filiations toutes vécues différemment et pourtant toutes vécues fidèlement. Il faut traduire, frères et sœurs, il faut traduire. C'est ce à quoi nous exhorte ce récit de la Pentecôte. Mais peut-on demander où est la bonne traduction? Que faut-il comprendre de la parole de Dieu? Comment savoir quand on se trompe ou non? Les deux plus grands commandements sont, dans le judaïsme comme dans le christianisme, des exhortations à entrer dans un type de relation particulière. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Ce ne sont pas des paroles à apprendre par cœur pour pouvoir les asséner à un mécréant récalcitrant, pour partir en mission chez les païens. D'ailleurs, toute violence qui s'insinue dans ces commandements les frappe instantanément de nullité. Comment forcer à aimer? Ces deux commandements sont plus éthiques que normatifs. Dans une de ses conférences sur la traduction intitulée « Le paradigme de la traduction », Paul Ricoeur dit « Il semble en effet que la traduction ne pose pas seulement un travail intellectuel, théorique ou pratique, mais un problème éthique.
amener le lecteur à l'auteur, amener l'auteur au lecteur, au risque de servir et de trahir deux maîtres, c'est pratiquer l'hospitalité langagière. C'est elle qui fait modèle pour d'autres formes d'hospitalité que je lui vois apparentées. Les confessions, les religions ne sont-elles pas comme des langues étrangères les unes aux autres ? Avec leur lexique, leur grammaire, leur rhétorique, leur stylistique, il faut apprendre afin de les pénétrer. Fin de citation. Comprendre, c'est donc traduire, comme l'écrivait George Steiner dans son livre « Après Babel ». Recevoir une parole et la comprendre nécessite donc de la traduire, c'est-à-dire d'adopter le point de vue de l'autre pour comprendre ce qu'il dit, tout en n'étant pas dupe de ce que nous mettons de nous-mêmes dans cette traduction. N'est-ce pas cela, aimer ? Quand les dogmaticiens produisent des discours rationnels pour accréditer la thèse d'un message unique et seul vrai qu'il faudrait retrouver pour être fidèle, la parole alors est fermée, l'interprétation finie, et ce sont des murs de briques qui s'élèvent pour que quelques hommes qui prétendent savoir Dieu se fassent un nom. Mais quand les hommes mettent en récit ce qu'ils imaginent de Dieu et produisent une polysémie qui sied à un Dieu toujours polyglotte, alors le salut opère et la parole est libérée de toute finitude. La raison humaine peut alors conjecturer, inventer, traduire et donc ouvrir l'horizon d'une espérance. Il est alors possible d'aimer Dieu et son prochain, tout en le laissant libre. La multiplicité des récits évangéliques nous montre combien l'interprétation est la norme quand le dogme est l'exception. Il faut traduire, frères et sœurs, sans crainte de trahir. C'est à cette condition que l'amour fraternel peut exister. Non seulement la tolérance de l'étranger et du différent dont dans le récit est autre, mais l'amour fraternel qui nous rappelle sans cesse que l'évangile de l'autre est une bonne nouvelle pour moi. L'esprit de Pentecôte nous offre les prémices d'une église dans laquelle on annonce un Dieu polyglotte qui parle au cœur de chacun dans la langue de sa vie et de son identité, où la diversité des interprétations est une condition vitale. Nous avons vécu ces dernières semaines repliés sur nous-mêmes et contraints à une atomisation de nos vies qui nous a fait réfléchir sur nos liens avec notre prochain. La parole alors était essentielle, tous ces messages échangés. La peur de la contagion, les gestes barrières, les discours polémiques sur la façon de gérer une crise dans laquelle seul le probable était sûr, nous ont donné des habitudes de distanciation sanitaire, peut-être de méfiance aussi, de distanciation sanitaire mais pas toujours salutaire. Aujourd'hui, un grand vent souffle sur ce confinement qui fut aussi nécessaire que révélateur de la fragilité de nos certitudes. Continuons à traduire l'évangile de Jésus-Christ dans nos vies, en transformant les contraintes en défis, en gardant au cœur cette impérieuse obligation de garder des liens entre nous par la parole, en imaginant un monde où l'hospitalité langagière serait toujours possible, en réinterprétant sans cesse nos vies par un esprit de traduction. Traduire la pensée de l'autre, c'est chercher à le comprendre et à l'aimer comme Dieu nous aime. Il faut traduire, mes frères et sœurs, pour mieux aimer. Amen. Thank you.
Amis, frères et sœurs, nous vous invitons maintenant à chanter au cantique numéro 170. De ce cantique, nous chanterons les 4 strophes et nous vous invitons à vous lever. Alors voici le moment venu de quelques indications. À la fin du culte, merci de rester à votre place. Pour la sortie, les bénévoles viendront vous chercher à votre rang. Nous vous serons reconnaissants de ne pas rester groupés sur le parvis du temple, mais de vous disperser dans la rue. Vous pouvez retrouver et partager ce culte retransmis sur notre site internet. La maison presbytérale est encore fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour le culte de dimanche prochain, il vous sera envoyé des instructions soit par la newsletter, soit par le site internet ou en appelant sur le répondeur de la paroisse. Nous tenons maintenant à remercier toutes les personnes sans qui les cultes n'auraient pas pu être retransmis sur le site internet pendant la période de confinement. Nous voulons dire un merci particulier à Meux et à Gérard Delin, à Jean-Daniel Philippe, à Jean-Luc Buisson, qui ont permis que techniquement ce soit possible. Merci à tous ceux qui ont favorisé l'information sur les réseaux sociaux, en particulier Juliette Lauvergeat et Gustave Dodard. Merci à l'équipe des catéchètes qui a gardé le lien avec les familles et les enfants. Merci aux membres du conseil presbytéral sortant et en particulier à son bureau, ainsi qu'au futur conseil presbytéral
qui ont permis le bon fonctionnement de l'Église pendant ce temps de confinement. Et nous voudrions rajouter aussi nos remerciements aux organistes qui ont fait des prouesses à distance et également aux membres au conseil de l'entraide qui ont assuré beaucoup de liens interpersonnels pendant cette période de confinement. J'enchaîne ? Oui. J'enchaîne. C'est donc le moment de l'offrande. Ah, pardon, il y avait autre chose. Ah, il y a autre chose. Ah, André. Notre président du conseil. Oui. Excuse-moi. Excuse-moi. Je t'en prie. Bonjour à tous. Eh bien, à tous ces remerciements, je voudrais aussi vous adresser des remerciements d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir bravé ces formalités administratives pour participer à ce culte. Mais je voudrais aussi remercier nos deux pasteurs, Béatrice et Agnès, qui, pendant ce temps de confinement, ont préparé les prédications que vous avez pu écouter et suivre sur le site et qui ont pu aussi vous donner des lectures bibliques, des études bibliques que vous avez pu faire et suivre régulièrement, soit sur le site, soit sur les réseaux sociaux. Et je voudrais, et elles ont assuré, bien sûr, la permanence pastorale. Si vous aviez besoin de les contacter, le téléphone était d'ailleurs indiqué et arriver directement chez elle. Donc, grand merci à elle. Je voudrais aussi vous dire qu'effectivement, le temps de l'offrande arrive et il va y avoir une disposition un peu particulière pour cette offrande. Pour une fois, vous allez voir, les bénévoles qui font l'offrande vont commencer par la fin et par l'arrière du temple et vont remonter progressivement à la nef. Et puis deux personnes qui ont été désignées vont s'occuper de l'offrande dans le chœur. Et je voulais aussi vous dire que notre trésorier, Francine Bronstein, se tient à la sortie du temple pour celles et ceux qui veulent faire aussi un don ou une offrande. Grâce donc à un sabot électronique, vous pourrez, si vous n'avez pas d'argent sur vous, vous pourrez faire un don à la paroisse. Voilà, grand merci à tous, bon dimanche, et c'est maintenant donc le temps de l'offrande.
Oui, j'ai la mémoire qui flanche, donc, due à ma fatigue. Je voudrais vous signaler quand même, vous donner une information essentielle. Nous avons décalé, en raison de ce confinement, notre Assemblée générale, et nous allons proposer au Conseil presbytéral, dans le courant de cette semaine, de prendre comme orientation de fixer l'Assemblée générale pour la fin de ce mois de juin, de façon à ce que la nouvelle équipe, si cela est possible, soit installée pour les vacances et complètement opérationnelle pour la rentrée. Puis vous voyez mon état mental, j'oublie de faire la moitié des annonces et de vous annoncer une Assemblée générale, je suis vraiment fatigué, j'ai besoin de passer le relais. Voilà, donc notez cette date pour la fin du mois de juin, nous vous le confirmerons bien sûr, il faut en discuter avec le Conseil, mais c'est vers cette orientation que nous prenons. Merci de votre attention. Voilà, et merci à André qui est toujours fidèle auprès de nous pour nous aider dans toutes les péripéties de la vie de l'Église. Merci beaucoup. André, ce n'est pas la mémoire qui flanche. C'est juste l'émotion d'être réunis ensemble. Et avant de nous unir pour la prière les uns pour les autres, je voudrais juste vous proposer quelque chose. Regardez-vous tranquillement. Regardez-vous, regardez votre voisin, votre voisine. Voilà. Vraiment, contemplez-vous les uns les autres. Éternel, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande qui ne soient pas que des gestes matériels, mais également des gestes d'amitié et des marques de tendresse. Amen. Je vous invite à la prière. Toi, le Dieu polyglotte, tu parles à chacun dans le secret du cœur et tu nous réunis par ton esprit de fraternité. Aide-nous à vivre cette fraternité en parole et en acte dans notre société. Toi, le Dieu polyglotte, tu parles à tes enfants de diverses façons et pas un ne croit en toi comme son frère. Aide-nous à comprendre cette relation de foi de chacun avec toi et garde-nous de toute intolérance. Toi, le Dieu polyglotte, tu nous ouvres l'esprit à ce qui nous est inconnu, impensé et parfois impensable. Aide-nous à ne pas refuser d'entendre le récit d'autres réalités qui nous apparaissent impossibles à accepter ou à comprendre. Rends-nous hospitaliers pour la parole de notre prochain. Toi, le Dieu polyglotte, tu te tais dans nos silences et tu veilles sur nos doutes. Aide-nous à traverser les moments de jachère, où la terre de notre esprit doit se reposer de tout jugement. Accorde-nous la patience et la sagesse. Toi, le Dieu polyglotte, tu accueilles toute prière et toute révolte avec le même amour. Aide-nous à t'aimer et à aimer notre prochain avec la même constance. Ne permet pas de conditions à notre amour, apprends-nous la grâce. Ensemble, liés les uns aux autres, présents et absents, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. En ce jour de Pentecôte, que l'Esprit Saint, répandu sur l'immensité du monde, trouve le chemin de notre cœur. Avec chacun et chacune de nous, que l'Esprit Saint nous offre de trouver une nouvelle langue pour traduire l'amour de Dieu dans ce monde. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.